Je suis Audrey Ledet, je suis marchande de vin. J'ai créé la société Vinali il y a 5 ans maintenant, dont l'activité est de distribuer du vin aux professionnels de la restauration et aux cavistes. Et j'ai lancé en 2020 un club de dégustation réservé aux femmes en collaboration avec les caves Pierre Noble, lieu où nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que c'est ma passion. Et comme on me l'a déjà dit, je suis rentrée dans le vin comme on entre en religion. C'est vraiment un sujet qui m'anime et qui est pour moi un... Comment dire ? Le vin est pour moi un trait d'union. Et c'est un trait d'union entre les gens, entre le terroir, la gastronomie, la géologie, les instants qu'on peut créer. Et c'est un joli vecteur d'émotion et d'histoire humaine à partager et de valoriser toute la partie du terroir et de l'agriculture et d'un savoir-faire. J'ai créé le Club Vinali parce que j'ai envie d'ouvrir ce fameux monde du vin, comme certains l'appellent, aux femmes, du fait du constat de voir des femmes qui n'osent pas venir en soirée dégustation parce qu'elles ont peur d'être la seule femme. Et donc c'est de pouvoir avoir un moment privilégié, peut-être plus intimiste, pour qu'elles puissent poser les questions qu'elles ont liées au vin et puis créer des rencontres aussi entre ceux qui font le vin, les faiseurs de vin, donc les vignerons et vigneronnes, et puis les dégustateurs. Le Click and Déguste, c'est simple, c'est vin même en étant confiné et avoir l'opportunité de quand même rencontrer les gens du vin. Donc le principe est simple, c'est donc les femmes s'inscrivent en ligne via le site des caves Pierre Noble à la soirée Click and Déguste du Club Vinali. Elles viennent en cave récupérer un coffret où il y a donc deux bouteilles de vin, un rouge et un vin blanc. Elles vont donc après se connecter en ligne un jour et une heure donnée et on va se retrouver tout ensemble en compagnie du vigneron pour déguster les vins autour d'un sujet fil rouge et puis avoir cette lecture du vin au travers de la personne qui fait le vin et qui va pouvoir un peu transmettre son savoir-faire, son idée, le pourquoi de la cuvée et avec cette envie de créer aussi d'autres moments de convivialité. Bien s'entourer. Les gens qu'on aime et qui nous aiment ne sont pas forcément le meilleur entourage qui soit, mais l'expert comptable et l'avocat le sont. Et si on a un bon feeling avec eux, c'est mieux. C'est un peu comme un psychiatre ou un psychologue. C'est, voilà, il faut avoir le feeling avec ces gens-là parce qu'ils sont importants dans la constitution d'une société. C'est être lucide dans ce qu'on veut faire et avoir un projet qui soit bien ficelé et qu'on ait bien en tête. Et puis, en troisième conseil, c'est oser. J'ai lu une phrase, je crois pas plus tard que ce week-end, de Gandhi, disant que la différence entre le possible et l'impossible, c'était la détermination. Et ça m'a beaucoup plu. Et si j'avais un geste à transmettre, sourire.